Le thème des revenus passifs est le cheval de bataille, le marronnier des marchands de rêves du web. Là où le bât blesse, c'est que la solution pratiquement unique qu'ils proposent, ou que l'immense majorité d'entre eux proposent, c'est l'immobilier. Mais pas n'importe quel immobilier, en l'occurrence, c'est l'immobilier classique, c'est-à-dire l'achat d'un logement pour le mettre en location. Gros inconvénient, c'est que ce ne sont pas du tout des revenus passifs. Si vous avez déjà fait de l'immobilier, si vous avez déjà investi dans l'immobilier classique, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, vous savez que vous avez expérimenté qu'on est obligé de s'en occuper. Alors même si on confie la gestion locative à une agence, c'est-à-dire à des professionnels, alors l'idée des revenus passifs est quelque chose de séduisant, c'est une aspiration naturelle. À chercher des revenus passifs, ben quelque part, c'est augmenter sérieusement sa qualité de vie, également se sécuriser. Mais le problème, c'est qu'il va falloir chercher autre chose que la location, l'investissement locatif classique. Alors l'immobilier est une réflexion qui vient toute seule quand on pense à ça. Alors oui, l'immobilier peut être une solution pour générer des revenus passifs, mais à condition que ce ne soit pas de l'investissement immobilier classique. Désolé pour tout ce qui est à la mode actuellement sur le web dans ce domaine-là. Et puis, l'autre volet de solution pour faire de l'investissement qui permette d'avoir des revenus passifs, eh bien, c'est la bourse. Alors la bourse fait moins le buzz parce qu'historiquement la bourse a toujours fait beaucoup moins le buzz, en tout cas chez les Français, que l'immobilier. Et puis la bourse fait moins rêver parce que l'immobilier est associé à l'idée d'effet de levier, c'est-à-dire d'investissement à crédit, ce qui est très juste comme analyse. Et investissement à crédit, bien évidemment, ça parle beaucoup plus à l'imagination, puisqu'en gros on a l'idée qu'on va pouvoir s'enrichir sans mettre d'argent, quasiment en ne mettant pas. Donc sans avoir d'argent, ce qui n'est pas faux, à condition de savoir faire. Donc, ça c'est une raison pour laquelle on pense moins à la bourse, mis à part le fait que, de manière générale, en France, on est assez méfiant par rapport à la bourse. Et puis, il y a aussi une raison conjoncturelle, c'est que depuis le nouveau krach qu'il y a eu il y a maintenant 6 mois, bien sûr, on est devenu beaucoup plus prudent qu'on ne l'est en période normale. Alors qu'en période normale, on est quand même assez circonspect pour la bourse, donc beaucoup plus prudent pour s'en remettre à des solutions boursières, soit pour placer notre argent, de manière générale pour assurer notre avenir ou nos revenus. On va le voir tout de suite, il y a effectivement par la bourse des solutions puissantes pour avoir des revenus passifs, et là qui seront totalement passifs. Alors, revenons-en donc à la solution par l'immobilier, puisque si je vous dis qu'il y a des solutions par l'immobilier, mais que ce n'est pas l'immobilier classique, je vais quand même vous dire quelle est la solution reine en matière d'immobilier pour obtenir des revenus passifs. Ce sont les SCPI. Alors les SCPI, je vous en ai parlé souvent, je crois que beaucoup de gens connaissent. Donc Société Civile de Placement Immobilier, c'est de l'investissement mutualisé. Autrement dit, ça permet d'investir dans toutes sortes d'actifs immobiliers et pas seulement de l'investissement du locatif à habitation, mais vraiment tous les types d'immobilier, donc en particulier d'immobilier professionnel, de bureaux, de commerce, d'entrepôts, d'hôpitaux, de cliniques, d'EHPAD, enfin bref, c'est la liste est très longue. Et bien, à partir du moment où, grâce aux effets de la mutualisation, on peut investir sur ce type de marché, grâce aux effets de la mutualisation, on dispose de capitaux considérables. Quand je dis on, ce sont les gestionnaires des SCPI, pour pouvoir bien négocier les prix, et on est professionnel, donc pour pouvoir choisir ce qu'il y a de meilleur, on arrive bien sûr à avoir des patrimoines immobiliers extrêmement bien constitués, rentables, bien entretenus. Donc c'est une solution d'investissement immobilier qui est très puissante. Et
vue du côté de l'investisseur, elle est effectivement totalement passive, puisque lorsque vous achetez des parts de SCPI, c'est comme si vous avez des actions. Du point de vue de votre engagement opérationnel, vous n'avez strictement rien à faire, vous occupez mais absolument de zéro, il n'y a même pas besoin d'avoir de lien avec un cabinet de gestion immobilière ou de choses comme ça. Vous achetez vos parts, entre, mettons, 4, 5, 6 mois après, vous commencez à toucher vos premiers loyers trimestriel, voire quelquefois même mensuel, et puis c'est tout. Voilà, votre travail d'investisseur est terminé, et de temps en temps, quand vous avez envie eh bien, d'augmenter encore ce que vous donne, ce que vous génère cet investissement, vous achetez de nouvelles parts, soit dans la même SCPI, soit dans une autre SCPI, en fonction de son profil de placement. Il y a évidemment la fiscalité, mais bon, la fiscalité, tous les ans, vous recevez un modèle de déclaration fiscale qui vous est envoyé par la SCPI dont vous êtes porteur de part. Vous n'avez plus qu'à reproduire les chiffres, ou plutôt reproduire les chiffres dans votre déclaration d'impôt dématérialisée, et puis le tour est joué. Et au bout de X années, si vous décidez de revendre pour des raisons diverses, arbitrage, on peut toujours avoir à tout moment des raisons de se séparer d'un actif, qu'il soit immobilier ou autre, eh bien, il va suffire de la mettre en vente via la société de gestion, qui éventuellement vous la rachètera si c'est une SCPI à capital variable. Enfin, là-dessus, je vous ai déjà donné pas mal d'infos via un ancien PDF. Je pourrais peut-être même un jour faire une formation là-dessus, si cela peut vous intéresser. Toujours est-il que, je ferme là la parenthèse SCPI parce que ce n'est pas l'objet direct de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est une des deux grandes solutions pour avoir des revenus passifs, en l'occurrence à l'immobilier. Alors ensuite, l'autre voie pour avoir des revenus passifs, c'est la bourse. La bourse, en se positionnant sur des actions qui se caractérisent par des rendements élevés, c'est-à-dire qui donnent des dividendes élevés par rapport à leur valeur. C'est assez logique comme approche. Bon, ça a pas mal d'avantages. Bon, bien sûr, on est totalement dans du passif, puisque si vous êtes investisseur en bourse, ou même si vous ne l'êtes pas, vous savez que investir en bourse, ça consiste à passer un ordre de bourse pour acheter telle ou telle action, et ensuite, on ne fait plus rien jusqu'à que une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans après, 50 ans après, on passe un ordre de bourse pour revendre. Alors quand je dis on ne fait plus rien, c'est on ne fait plus rien du point de vue opérationnel. Mais bien sûr, quand il s'agit de prendre soin de son patrimoine et de ses revenus, on surveille. Enfin, on surveille, c'est pas du... On est obligé de surveiller 24 heures sur 24, ni tous les jours, à partir du moment où on est dans une logique de placement de long terme. Celui qui surveille tous les jours ou tous les quarts d'heure, c'est le spéculateur. Mais la notion de revenu passif, bien sûr, n'est pas basée sur ce genre d'approche. Au cœur de cette famille d'actions caractérisées par des rendements élevés, eh bien, il y a une classe d'actifs qui s'appelle les sociétés foncières cotées, SIIC, Société d'investissement immobilier cotée. Du point de vue du modèle économique, on est très proche des SCPI. Donc je ne vais pas réexpliquer le truc, hein, c'est du mutualisé, etc. etc. C'est le même genre de choses. Il y a deux différences. La première, c'est que, en général, les SIIC sont beaucoup plus grosses que les SCPI. Alors que les SCPI, ce sont déjà des patrimoines immobiliers qui s'expriment ordinairement en centaines de millions d'euros, et pour les plus grosses, en milliards d'euros. Bon, les SIIC, donc les foncières cotées, sont encore plus importantes que cela, donc il y a un effet de sécurisation par la masse qui est encore plus important. Bon, à mon sens, c'est pas vraiment ça qui est la différence essentielle, parce que du point de vue de la sécurisation par la masse pour les grosses SCPI, l'objectif est atteint. La différence essentielle, c'est le régime fiscal. C'est que quand on est porteur de parts sur des foncières cotées, en fait, ce sont des actions. Donc on est actionnaire, on les achète en bourse. Alors que les parts de SCPI, on ne les achète pas en bourse. On les achète directement à l'SCPI, ou éventuellement sur le second marché, c'est-à-dire
on les achète à des personnes qui veulent revendre leur part. Bon, c'est donc c'est un marché qui évidemment n'a rien à voir avec la taille de la bourse, n'a pas les mêmes règles. Donc voilà les différences fondamentales. Hein. C'est d'une part c'est la taille et surtout c'est les foncières cotées, ce sont des actions. Alors l'autre conséquence de cette différence, c'est que quand on investit dans des SCPI, on investit sur quelque chose qui, par définition, hein, par nature, n'est pas valorisé 140 000 fois par jour, mais est valorisé une fois par an par une expertise qui est faite donc, par une compagnie d'expertise indépendante de la SCPI, bien évidemment, la SCPI étant d'ailleurs par ailleurs extrêmement contrôlée à tout point de vue. Et bon, une fois par an, il y a un expert qui fait l'inventaire de tous les biens immobiliers de la SCPI et qui, en fonction de ce que valent aujourd'hui ces biens sur le marché compte tenu de leur état, etc., dire, ben voilà, le patrimoine de la SCPI, aujourd'hui, il fait 853 millions. Bon, très bien. Dans le cas des foncières cotées, c'est différent. C'est-à-dire que les foncières cotées, puisqu'elles sont cotées en bourse, vous le savez, la cotation, c'est quelque chose donc, sur les grands marchés, donc sur le CAC, par exemple, puisque certaines, même pas mal, sont sur le CAC, la cotation est permanente. Donc ça veut dire que si se produit un événement extérieur aux sociétés elles-mêmes, comme ça a été le cas avec le Covid par exemple, immédiatement, les porteurs, les actionnaires de ces sociétés vont anticiper une dégradation de leurs résultats futurs ces sociétés ont un lien du point de vue de leurs résultats, de leur fonctionnement avec le Covid, et Dieu sait que pour les foncières cotées, c'est le cas, et donc les cours s'effondrent très rapidement. Alors après, ils vont remonter aussi très rapidement. Pour assumer cela, il faut d'une part avoir bien compris comment ça marche, et d'autre part, ne pas être une âme sensible, c'est-à-dire ne pas se laisser s'affoler, ne pas perdre le sens de sa lucidité, des réalités, face à une situation conjoncturellement mauvaise sur les cours. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Depuis le 19 mars, c'est-à-dire depuis l'effondrement des cours de bourse au niveau mondial suite au Covid, elles ont perdu en moyenne 50% de leur valeur. Pour certaines, c'est encore beaucoup plus que ça. Pour d'autres, c'est un petit peu moins. Mais on peut dire que le secteur s'est véritablement effondré. Alors la raison, évidemment, c'est que les foncières, je vous ai expliqué rapidement quelles étaient leurs activités. Leur activité, c'est de louer des locaux à des entreprises, ça vous l'avez compris. Quand je parle d'activité d'une foncière, je veux dire le type de locaux qu'elle loue. Est-ce qu'elles vont louer est-ce qu'elles sont propriétaires de murs de clinique? Est-ce qu'elles sont propriétaires de bureaux? Est-ce qu'elles sont propriétaires de petits commerces, de centres commerciaux? Donc, on voit bien dans l'énumération que je viens de faire que pratiquement tout cela a été impacté de plein fouet, éventuellement d'hôtels, de plein fouet par le Covid, et qu'il y a tout lieu de craindre que, aussi longtemps que va durer l'incertitude du confinement et toutes ces histoires-là, ça va mal se passer pour ces sociétés. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, elles n'auront pas, en 2020, les revenus en termes de loyer qu'elles avaient en 2019. Peut-être même que ça sera encore le cas dans une moindre mesure en 2021. Voilà. C'est ça qui explique la fuite des investisseurs qui se disent, dans ce cas-là, on va dire, les analyses qu'on faisait sur la performance de la société jusqu'au 18 mars, maintenant, sont complètement caduques. Donc, je m'en vais. Alors, dans ce type de situation, évidemment, les réactions sont très excessives par rapport aux réalités. Et c'est ce phénomène de baisse que l'on peut penser excessif qui va amener à se poser la question de la pertinence aujourd'hui de profiter des conditions actuelles pour venir se remplir son sac à provision d'actions de ces sociétés dans le but de se préparer des revenus passifs. Justement, en ce qui concerne l'impact de la situation actuelle
sur les sociétés foncières, le secteur a perdu en moyenne, en bourse, a perdu à peu près 50% par rapport à sa cotation, à ce qu'étaient les cotations du 19 mars. La cause en est, bien entendu, que Covid, dans un secteur comme celui-ci, qui se caractérise par une fréquentation du public, Covid veut dire baisse de fréquentation dans les établissements, dans les divers locaux dont sont propriétaires les foncières et qu'elles louent à diverses activités. Par conséquent, baisse des loyers des activités hébergées par les foncières et baisse des loyers, ça veut dire baisse des revenus des foncières. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Ça fait plaisir de vous retrouver après une immersion d'une quinzaine, sans faire de vidéo, quinzaine consacrée à achever ma fameuse formation sur l'or dont je vous parle depuis pas mal de semaines. Elle est achevée et le rythme des vidéos reprend. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, eh bien, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai, notamment sur le thème d'aujourd'hui et d'une manière générale sur l'ensemble des sujets du patrimoine, de l'économie et de la finance, eh bien c'est simple, abonnez-vous soit par l'icône vert et bleu qui est en bas à droite sur l'écran, soit par un des liens qu'il y a sous la vidéo. Et j'en profite pour rappeler à tout le monde que pour accéder au lien qu'il y a sous la vidéo, il faut ouvrir le menu déroulant et ce menu, on l'ouvre en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui est marqué dans les 2 ou 3 cm qui est immédiatement sous l'écran. Alors la question qui se pose, vous l'anticipez, et en tout cas c'est celle que je partage avec vous dans cette vidéo, faut-il voir après l'effondrement des cours des SIIC l'opportunité exceptionnelle de se constituer un portefeuille d'actions qui permettra de se constituer des revenus passifs. Alors pourquoi cette interrogation est-elle ciblée sur les sociétés foncières, donc les SIIC? C'est d'une part parce qu'elles ont énormément baissé, d'autres ont également baissé, mais elles font vraiment partie des catégories les plus sinistrées de la côte, et en particulier certaines d'entre elles ont baissé dans des proportions hallucinantes que, je vous le dis tout de suite, je déflore un peu ce dont je vous parlerai dans les minutes qui viennent, des proportions hallucinantes qui, à mon avis, sont totalement injustifiées, et au moins pour l'une d'entre elles à laquelle je pense, je ne vois pas d'autre scénario dans l'avenir qu'une hausse des cours. Alors ce scénario, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an, c'est peut-être dans 2 ans d'ailleurs, mais au point où est tombée cette foncière, compte tenu de la qualité globale de son patrimoine, là on est dans du délire, et ce délire, il faut vraiment se demander si c'est pas le moment d'exploiter. Ce qui caractérise historiquement cette classe d'actifs, c'est qu'elles ont des variations plus brutales que beaucoup d'autres classes d'actifs, ce qui fait que quand ça va mal, comme c'est le cas en ce moment, elles tombent comme ça, plus fort que les autres. Par contre, elles rebondissent en général plutôt que les autres, et elles rebondissent plus fort. Ce qui veut dire que s'il s'avérait que l'on décide de se positionner sur certaines foncières, on peut mettre la survenance de ce type de scénario de rebond parmi les raisons qui nous pousseraient à aller vers certaines foncières totalement massacrées. L'analyse de ce qui arrive aux foncières n'est pas très compliquée. Bon, très clairement, le Covid est la raison principale, compte tenu du caractère soumis au public de leur fonctionnement, donc soumis au fait que les gens puissent venir facilement. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que chacune des foncières qui existe aujourd'hui, indépendamment de l'impact très brutal qu'elle subit à cause du Covid, a les mêmes forces et les mêmes faiblesses qu'elle avait il y a 7 mois avant que n'éclate la crise du Covid, ou qu'elle avait il y a 1 an, il y a 3 ans, etc. Et chacune de ces foncières a des caractéristiques, et on va en parler un peu plus loin, qui les distinguent, qui les discriminent les unes par rapport aux autres. Et
les items de ces discriminations foncières n'ont pas changé. Or, ça paraît, alors finalement, ça paraît très simple. Je suis en train de vous dire que fondamentalement, les foncières n'ont pas bougé d'un iota du point de vue de leur capacité à attirer les investisseurs ou en tout cas, leurs points forts et leurs points faibles sont toujours les mêmes. Et en même temps, je vous dis que la cause de la baisse générale du secteur, c'est l'impact de la crise du Covid. Bon, à partir de là, on peut se dire, ben, on va pas se casser la tête. Dès que le Covid sera parti, elles vont toutes remonter piste comme ça, là, ça va s'envoler. Naturellement, quand on investit, on met toujours en place une certaine diversification. Donc, je vais prendre, mettons, les 5 ou 6 premières foncières, ou les 5 premières foncières, et puis je vais faire 20% sur chacune. Bon, en réalité, c'est pas si simple. Parce que si, effectivement, toutes les foncières ont la même cause, si c'est la même cause de baisse pour toutes les foncières, ensuite, les possibilités de rebond ne sont pas identiques selon les foncières. En réalité, avant de parler de rebond, il faut parler continuation de la crise. Et là, la façon dont vont se comporter dans les semaines et les mois qui viennent les différentes foncières et ensuite leur capacité de rebond, n'est pas identique. La capacité de rebond dépend de la sensibilité de chaque société à la baisse de la consommation qui est provoquée par le Covid. Et cette sensibilité dépend elle-même du modèle économique de chacune. Alors le modèle général c'est le même, c'est j'investis dans un patrimoine immobilier professionnel. Mais selon que vous investissiez plutôt dans des bureaux à Paris, ou plutôt dans des hôtels, mettons, répartis dans les grandes villes de France, je peux vous dire que l'impact de la crise du Covid n'est pas le même. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus terrible pour un parc constitué d'hôtels à l'heure actuelle, dont l'activité est sinistrée, terriblement sinistrée par le Covid, que pour un parc constitué de bureaux de standing bien situés à Paris, parce que ça fait quand même belle lurette que maintenant les sociétés, les entreprises ont repris tant bien que mal, et plutôt bien que mal, de mieux en mieux, une activité normale, même si elle est compliquée par les mesures de distanciation sociale. Mais les sociétés qui ont en patrimoine des bureaux comme ça, ça fait un moment que les locations ont repris, on n'est peut-être pas au taux de remplissage normal, on n'est peut-être pas au taux d'occupation financière normal, mais ça fonctionne. Le principe de cette démarche, ça va être d'abord de fixer un panel de foncières. Bon là, en général, faut pas faire dans le compliqué, dans le subtil. Il faut prendre les ténors, les sociétés premium qui tiennent le marché qui sont à la tête du marché depuis des années. Et ensuite, appliquer à ce panel, un stress test sommaire, c'est-à-dire imaginer deux cas de type de scénario et voir en fonction de ces scénarios quelles sont les foncières qui devraient s'en sortir mieux que les autres ou s'en sortir moins bien que les autres. Cette analyse schématique, c'est ce que je fais dans le PDF que vous pouvez obtenir gratuitement par le lien qui est sous la vidéo. Alors ça sera vous premier ou le deuxième. Deux types de scénarios, deux catégories de scénarios. La première catégorie, c'est une reprise nette de l'économie. Et la deuxième catégorie, eh bien, c'est tout le reste, c'est-à-dire soit pas de tendance claire, soit une persistance du marasme économique dans lequel on se trouve actuellement. Donc ce PDF, c'est déjà un premier niveau opérationnel pour agir, et à partir duquel vous pouvez bien sûr approfondir les réflexions. Donc cette vidéo est terminée, mais j'espère qu'elle vous ouvre précisément des chemins pour avancer soit dans l'objectif
de revenus passifs, soit tout simplement dans celui de protéger vos intérêts. D'habitude, si vous avez aimé, allez-y, n'hésitez pas à lever le pouce, c'est important pour la chaîne, c'est une manière de soutenir son développement. Partagez, bien sûr, n'hésitez pas à commenter. Personnellement, je suis friand de vos commentaires parce que j'aime bien tout simplement échanger sur les sujets qui sont ceux que je présente. Si vous continuez à préférer actuellement les valeurs refuges à une prise de position dans l'économie, on va dire dans l'économie active, ce que je comprends très bien, puisque personnellement, je continue à agir au niveau des valeurs refuges dans le cadre de la gestion de mes intérêts, même si ce que je viens de vous expliquer sur les foncières, je l'applique et j'investis dans les foncières, bien si vous estimez, vous, que c'est trop tôt pour cela, à ce moment-là, je ne saurais trop vous conseiller de prendre connaissance de la formation sur l'or que je viens de terminer. Pour ça, vous avez toujours un des deux premiers liens sous la vidéo. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour être à la fois pertinent dans votre stratégie d'achat d'or, savoir comment faire et être au final en capacité de mener à bien des projets qui soient cohérents et réussis dans un investissement d'or. Sur ce, c'est vraiment terminé, donc je vous dis à la prochaine vidéo.